Bon, on continue le game U, hein. Moi, je m'amuse bien. Chapitre 3, le réveil de Malfurion. Le lendemain, aux abords des terres sacrées de Reflets de Lune. Moonglail. Peut-être foutu la merde là-bas. Malfurion, frère d'Illidan, qui est secrètement ou pas secrètement amoureux de Kyrande, qui elle-même kiffe Illidan. Mon frère, incroyable. Scénarius étant mort, il nous incombe de réveiller les druides. Nous devons récupérer le corps du demi-dieu sur l'île sacrée de Reflets de Lune. Seul son appel peut tirer les druides de leur torpeur. Mais prêtresse, les orques ont dressé un campement de fortune sur l'île. Nous allons devoir les éliminer pour atteindre le corps de Scénarius. Prêtresse Tyrande, louée soit Elune, nous vous avons trouvé. Les morts-vivants font route sur les refuges des saisons, non loin d'ici. Ils semblent abandonnés, mais... L'un des refuges abrite un druide qui y sommeille, ma sœur. Malfurion hurle orage. Il est le plus sage et le plus puissant des druides. Il doit être averti du retour de la Légion. Oh, sa maison est trop chou. Dans ce cas, faisons vite. Si les morts-vivants atteignent son refuge pendant qu'il dort... Attends-nous, mes sœurs. Tous nos espoirs reposent sur le réveil de Malfurion. Donnez-moi un instant. Merde. Ouais, donnez-moi un instant. Je vérifie juste un truc. Désolé, hein. Est-ce que c'est la vie? Désolé, désolé. Vraiment la vie, hein. Vraiment la vie, gros. What a problème. Arbre protégeant Malfurion. 90, 90. D'accord. Mais Malfurion, c'est un frère. Il est là, il dort, cet idiot. T'imagines, t'as des alliés? Tu veux leur dire, les gars, soyez des alliés et faut limite combattre pour y arriver. Moi aussi j'entends la voix des lunes. Il est où l'arbre, le bon arbre? Améliorant un arbre des sages. Fais-moi d'abord genre 5 feux follets. Pas assez d'or. Ah, pas assez d'or. Fais-moi peut-être moins de feux follets. Ok, ici on peut à peu près tout faire. Et ça c'est quoi? Ah, ancien protecteur. Ah mais lui c'est... C'est une tour. Mais c'est une tour énervée. Oh! J'ai des sœurs mêlées. Elles font quoi? Dissipent les effets bénéfiques des alliés, des unités ennemies et les néfastes des alliés. Oh, ils sont trop forts. Poison lent et misé au sort. Bon, les mecs sont insane. C'est des mêlées ou pas? Je m'en rends pas compte. Bon, de toute façon. Regardez ma souris. Elle fonctionne plus. Alors, je comprends pas si c'est un truc, une saleté qu'il y a sous... En fait, il y a des saletés qui s'incrustent dans le... Dans le réticule. Qui biaise le capteur. La déesse appelle. Elle avait la bouille... La... Hop. Tout de suite. Allez faire du bois. Allez faire du bois, allez faire du bois. Pas assez de bois. Pas assez, assez de bois. Bois. C'est bon, j'ai envoyé des gens faire du bois. Qui menace la nature? Qui menace la nature? Bah, quelque part, nous-mêmes.
On détruit les arbres. Ok, y'a rien du tout. Il faut aller par là. Je sers la déesse. Fallait bien tester. C'est vraiment dommage que ce jeu on peut pas changer les touches. Parce que j'aime bien avoir cette QSD pour bouger la caméra et les touches autour pour faire des trucs. Tout de suite. Même si je joue à un jeu par exemple comme LOL, je ferais ça, tu vois. Qu'il en soit ainsi. Ce serait plus agréable pour moi. Alors c'est quoi comme ennemi? C'est les orcs, ça. Et là-bas, c'est mal. Faut le cœur de Scénarius pour réveiller Malfurion. Ok. J'entends la voix des... Comme d'hab, il y a une deuxième mine pas loin. Du coup, ça veut dire... Go, go, Power Rangers! Du. 1, 2, 3, 4. Ici. On va les envoyer sur les arbres pas loin. Je n'ai qu'un seul arbre de constructeur de bonhomme, quoi. Donc je vais en faire un autre qui sera du coup... non, je vais le garder là. Quand t'as fini, tu peux retourner sur les arbres. Et là, faut que les améliorations continuent à popper. Hein. Ultra vision de scénario. Permet aux observateurs de voir plus loin de la nuit que de jour. Oh. Une fois qu'il a fini, il faudra mettre l'amélioration. Qu'il en soit ainsi. Voir ce qui se passe par là. Tout de suite. Tout de suite, mes sœurs. Je sers la... Ah, on est en plein jour, je peux pas mettre le camouflage optique. Y'a quelque chose par là? Je sers la déesse. Des fois, y'a des embrouilles sur l'eau. Tout de suite. Ah bah. Au nom de Scénarius. Ouais, elle tape de loin, effectivement. Au nom de Scénarius. Qu'il en soit ainsi. Elles ont l'air trop bien, ces brebis. C'est des quoi? Des dryades. Bien sûr. Bien sûr, des dryades, évidemment. Bien sûr que ce sont des dryades. Ah bon? Ok. Inventaire plein. Y'a pas assez de héros là. Botte de vitesse. Ça donne quoi, botte de vitesse? Faut que je m'en rende compte. Tout de suite. Vitesse d'activité. Ouais. C'est dur de se rendre compte. C'est dur de se rendre compte de ce qui augmente vraiment les dégâts de... Tout de suite. Ça augmente pas hein, les dégâts, vitesse d'attaque. Armure du héros. Un point dans tout. Trois l'agilité. Ah, on a un sorcier. Hein. On va peut-être déposer ça. Je m'en rends pas compte. C'est quand on va déposer l'armure parce que quelque part elle est derrière. Je sers la déesse. On va ne prendre que ce qui attaque. Boutique Goblin. J'aime pas me faire chier avec les objets du jeu. J'aime pas me faire chier avec les objets du jeu. Comment on va par là? DS, on peut pas. Hein. Moi la voix. Non, on peut pas. Hein. Qu'il en soit ainsi. Là, il y avait une embrouille par ici, non? Par lune. Non, la seule route, c'est ici pour aller attaquer les orques. Les orques. Ouais, la seule route, c'est les orques. Faites vite. Bâtiment construit. Ashtoraman. Oui, ça refait. Et je sais pas si c'est vraiment la saleté, parce que... Chef de guerre troll. Montre-moi la voix. C'est quand même un peu abusé. Hein. Leurs attaques rebondissent. Recherche terminée. Peut-être. Peut-être que leurs attaques rebondissent. À vos ordres. J'entends la voix des lunes. Tout de suite. J'écoute. Mais bande d'idiote. Où sont les feux follets bêtes?
Y a un fofolier qui fout rien, non? Je sais pas. Je perds 3 fofolets vers des armes. Et là, il m'en faut un qui construit des puits en fait. Voilà. Arbre des âges. Arbre des âges, bien sûr. Lui, il me fait des fofolets de bois. Y a plus rien à améliorer. Bah, c'est bon, tout est gagné. On se fait des archers maintenant. Construisez plus de puits de lune. Construisez plus de puits de lune. On taffe dessus. On taffe sur les puits de lune, justement. On taffe sur les puits de lune, on ne fait que ça. Indiquez-moi le chemin. J'entends la voix des lunes. Bon, il va falloir des catapultes aussi. Ok, il va falloir pas mal de choses. Peut-être utiliser un autre bazar pour faire des puits de lune plus vite. Voilà, lui va en faire ces deux là, elle va en faire trois. Ça va un poil plus vite. Et quand ils ont fini, shift arbre. Merde. Shift arbre, voilà. Toi aussi quand t'as fini. Quand t'as fini, shift arbre. Merde. Quand t'as fini, ça arrive trop souvent. Je crois que ma souris est buggée. Je crois que ma souris est buggée malheureusement. C'est le câble ou c'est quoi qui fait ça? Putain, mais en fait les rasers ça part trop en couille. Hein. Les rasers ça part trop en couille. Plus jamais j'achète ces souris. Je vous écoute. Qui menace la nature? Prêtresse, les morts vivants approchent du refuge des saisons. Shando Hurlorage va se retrouver sans défense. Bâtiment construit. Shando Hurlorage. J'ai l'impression qu'elle est niquée là, la souris. Oh, what a vie, hein. Qui menace la nature ? Va peut-être falloir attaquer plus tôt. Parce qu'ils ont l'air. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font là. Les adversaires. J'ai l'air de savoir ce qu'ils font. Je vais ramener mes unités pour qu'ils se fassent healer en vrai. Je crois que c'est ce que font les puits. Ils healent les unités. Recherche terminée. C'est ça, non? Bâtiment construit. Impossible de construire à cet endroit. Et c'est parce qu'ils sont trop bêtes. Paris lune. J'écoute. Trop facile. Qu'il en soit ainsi. Très bien. Indiquez-moi le chemin. Je vous écoute. Oh là là. On va réparer l'arbre, le pauvre. L'arbre en priorité. Après, go réparer ça. Je suis prête. Nanana. Je suis prête. Est-ce que l'arbre a level up? Yes. Je suis prête. Je suis prête. Nickel. On prend la vorpal et l'autre bonus là. Et on est bon. À réparer ça. À vos ordres. J'écoute. Nickel.
Recherche terminée. Indiquez-moi le chemin. Normalement, on est bon là. C'est bon, elles ont des lames Vorpal ou je sais pas quoi. Je suis prête. J'ai même pas check c'est quoi. Hein. J'ai juste acheté. Hein. C'est quoi? Et en lanceur de glaive, c'est plus long à rechercher. Recherche terminée. Voilà, maintenant on va go. C'est la nuit, j'écoute. En plus c'est parfait. Je suis prête. On va sauvegarder, on va go. Même si là ils sont pas loin de nous attaquer en vrai avec, avec un groupe, mais bon. Qu'il en soit ainsi. C'est la, vu que c'est la nuit, c'est pratique. Tout de suite. Qu'il en soit ainsi. Je suis prête. N'attendez pas pour frapper. Immobilisez-les avant qu'ils se regroupent. Et je suis prête. Je sers la déesse. Je vous écoute. Je suis prête. Indiquez-moi le chemin. À vos ordres. J'écoute. Je suis prête. Je vous écoute. Oh, j'ai trop hâte d'attaquer. Malfurion. Je suis prête. Indiquez-moi le chemin. Indiquez-moi le chemin. Ah, c'est simple. Le chemin, c'est... Je suis prête. C'est là où personne n'attaque. Pourquoi j'ai attaqué comme ça, moi? Combattez! Les vivants auront bientôt atteint le refuge des saisons. Vous devez récupérer le corps au plus vite. C'est bon, il est mort. J'écoute. C'est bon. J'écoute. Je suis à vous. Déesse, montre-moi la voie. Je sers la déesse. Indiquez-moi le chemin. Indiquez-moi le chemin. J'écoute. Pour Kalidor. Je sers la déesse. Je vous écoute. Déesse, montre-moi la voie. À vos ordres. Oh, il faut tellement qu'ils avancent. Par élune. Indiquez-moi le chemin. Et moi, j'écoute. Je vous écoute. Anudora. Et Marika. À vos ordres. Au nom de Célarius. Anudora. Ces elfes sont plus forts qu'on croyait. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Pareil à décocher. Une flèche, un mort. Pour Kalidor, je vous écoute. Tout de suite, j'écoute. Anudora. Tout de suite. À vos ordres. Sentinelle, je vous à écoute. L'attaque. Indiquez-moi le chemin. Ça se passe, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à casser, ça, hein. J'écoute. Au nom de Célarius. On va leur dire de refaire... De refaire ça. Indiquez-moi le chemin.
Anudora. Je vous y. Ouais. C'est bon. Au nom de Scénarius. Montre-moi la voie. Oh, ça c'est bien des balises de soin. Attends, je dépose mon anneau. Prends les balises de soin. Il y a tout le monde de venir ici. Et juste je les dépose, tu vois. L'anneau de supériorité. C'est quand même bien. Déesse, montre-moi la voix. Hop. J'entends la voix des lunes. Indiquez-moi le chemin. Il faudrait juste un autre archer, moi. Je vous écoute. Pour mon groupe 2. Bien compris. Mon groupe 3, c'est bon. Je vais peut-être prendre des feux follets pour réparer. On a assez de bois, on a assez de bois. Montre-moi la voix. Parlez. En position. Et je les laisse défendre. À vos ordres. Let's go. Tout de suite. Peut-être sauvegarder avant de progresser, parce que je sais pas ce qui m'attend. C'est des morts vivants, c'est quoi? Qu'il en soit ainsi. Et les gardiens primordiaux. J'écoute. Oh damn, ça a l'air énervé. Dit comme ça. Au nom de Scénarius. Oh god. Je vous ai. À nouveau là. Pour Kalidor. J'écoute. Indiquez-moi le chemin. Mon arc est. Ok, c'est passé. Ah, mais faut tuer des mecs qui ont l'air trop forts alors qu'ils pourraient nous aider quoi. The fuck is going on, bro? Allô de Jade. Ah, mais il y a trop d'items pour Tyrande, il y a trop d'items. Prendre ça maintenant. Je crois que l'intelligence sert à rien, c'est pas une mage. Bon, de l'agilité du héros. Ça a l'air nul quand même. Au secours. Au secours, je sais pas. Parce que quand je prends le manteau d'intelligence, j'ai pas plus de dégâts, tu vois. L'intelligence sert à quoi? La mana et la régène de mana, ça sert vraiment à rien en fait. Qu'il en soit ainsi. Alors que l'agilité, c'est la défense à vitesse d'attaque. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux l'agilité. La force et les regains de points de vie. Ok. Et les dégâts, ça rend juste des bonus de dégâts. Là, j'ai plus 15 de dégâts, pourquoi? Au total. Tout de suite. Bref. Je sers la déesse. Je sers la déesse. Indiquez-moi le chemin. Pourquoi c'est brouillé là? Tout de suite. Ah, c'est ça, c'est Amana. Je vous écoute. Qu'il en soit ainsi. Pour qu'à vos ordres. Subissez le courroux de la nature. À nous donner. À vos ordres. Parez à décocher. Je vous écoute. À nous donner. Indiquez-moi le chemin. Le père des sœurs Lyon là. Qui menace la nature? Qui menace la nature? Qu'il en soit ainsi. J'écoute. Sur anti-magie. Où je vais utiliser hein. Je vous écoute. La nature reprendra ses droits. Indiquez-moi le chemin. Pour Kalidor. J'écoute.
vos ordres. Au nom de Scénarius. Ah, j'espère que je vais pouvoir invoquer des persos comme ça, ça va vraiment trop fort. Une mine d'or est presque à court de ressources. Je vais manger le corps. Ah, j'ai pas de place pour le prendre là. Tout merde. Suite. Cutscene. Enfin, le corps de Scénarius. Ouais. Maintenant, nous pouvons réveiller. Je vois venir. Hein. Le poète nul. Ouais. Ça aurait été marrant. Ouais, il sort avec une monture et tout. Qui me réveille, le bande de cons. Le corps a retenti, et j'ai tenu ma promesse de répondre à son appel. Je sens la puanteur de la pourriture et de la corruption inonder nos terres. Cela m'irrite au plus haut point. Damn! Éternel défenseur de la nature, écrasez ces intrus comme vous le fîtes jadis. Jadis, ils le firent. GG de la nature. 23 minutes, continue. GG de la nature. Chapitre 4, le réveil des druides. Deux jours plus tard, dans la vallée de Berceau de l'hiver. Borodin. Il neige là-bas, non? Je m'en rappelle d'en haut. Tout en haut à droite de Kalimdor, il neige. Nord-est. Chocolat noir, c'est tellement bon. Encore mon thé qui est tiède. Hein. Je veux pas le finir. Après, quand je suis en game, j'oublie. Voilà 1000 ans que je n'ai posé mon regard sur toi, Tyrande. J'ai pensé à toi à chaque instant que j'ai passé dans le rêve des mots. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mon cœur se réjouit de te voir, Malfurion. Malheureusement, j'ai dû te réveiller pour une bien triste raison. Par-delà le rêve, j'ai ressenti la corruption de la terre, comme s'il s'agissait de mon propre corps. Tu as bien fait de m'avoir réveillé. La Légion Ardente est de retour, Malfurion. Cette musique est trop bien. Et des étrangers foulent impunément le sol de nos vallées les plus sacrées. C'était écrit. Archimonde va certainement tenter d'atteindre le sommet d'Ijal et de s'attaquer à l'Arbre Monde. S'il parvient à s'emparer de l'énergie de l'arbre, ce monde est perdu. Ma seule préoccupation était de vous réveiller, toi et les autres druides. Là, je n'ai plus rien à faire. Les druides demeurent dans le refuge des saisons, au bout de cette vallée. Si nous pouvons les atteindre, nous aurons peut-être une chance d'arrêter Archimonde et ses démons. C'est bon, les gars. On les a repoussés. Retournons au camp et occupons-nous de nos blessés. Ainsi, les étrangers se battent également contre les morts vivants. Ils pourraient faire de puissants alliés contre Archimonde et ses séides. Ce sont des bâtards tout au plus. Ils sont à blâmer pour la mort. Parle mal. Plutôt mourir que combattre à leur côté. Tu as peut-être raison, mon amour. Nous nous installerons ici. Que tes sentinelles soient sur le qui-vive. Je doute que les étrangers et les morts vivants nous laisse en paix. Oula. Le son est un peu faible dans la cutscene et là il est assez haut. C'est quand même chiant. Hein. Alors placez-vous les gars. Allez les gars, on se place. Malfurion niveau 4 quoi. Au lieu d'avoir un vrai niveau. Le mec est niveau 4. Oh, comme ça que ça se passe. Y a rien ici, hein, bien sûr. Tout de suite. Oh, les feux follets. Mais... Oh, il faut vraiment les placer nous-mêmes. Elle est où la mine d'or? Ah, elle est là. Qu'il en soit ainsi. Et j'avais pas compris. J'ai cru qu'ils se plaçaient eux-mêmes. Qui sert la
Ouais, j'ai perdu du temps. Ouais, j'ai perdu du temps. On sait jamais. Il croit qu'il se déplaçait déjà pour se placer. Ils sont déplacés, ils sont arrêtés. Pour Kalimdor. Alors là, t'es l'arbre de la vie, toi. Gantez cette mine. Eux, c'est des arbres protecteurs. Je viens là pour arriver à 500 points de vie en 30 secondes. Non. Tu te places là. Et toi? Plutôt toi, tu te places là. T'es beaucoup plus proche. Toi. Tu te places ici. Toi, tu viens, tu te places là. Et toi, visiblement, viens, tu te places là, tu vois. Les 5 idiots, là. Ils vont aller hanter les arbres ici en attendant. Et mes persos à moi. Qui menace la nature ? Ils vont venir foutre la merde ici. Enurifa. J'écoute. Il se passe quoi par ici ? L'air démoniaque là. L'air démoniaque. Il en sera ainsi. Bel et bien démoniaque. À vos ordres. Ashtoraman. Au nom de Cenarius. Ah oui, tu fais combien de dégâts? Il fait 0 dégâts quoi. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. La déesse appelle. Qu'il en soit ainsi. Oh, tu es ce bâtard qui est là. Bâtiment construit. Qui menace la nature? Recherche terminée. Recherche terminée. Pas assez d'or. Pas assez d'or. Pas assez d'or. Pas assez d'or. C'est du savoir, ancien de la guerre, ancien protecteur. Va se déplacer un peu lui. Proche de bois de fer. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? La rumeur veut que cette ancienne relique de la nuit ait le pouvoir de rappeler l'esprit de tous les elfes de la nuit. Elle confère à son porteur 200 points de vie supplémentaires et la capacité de gagner 2 points de vie par seconde. Très bien. Augmente 1 notre force, ok. J'entends la voix des lunes. Par les lunes. Faites-moi quelques unités quand même. Pas assez d'or. 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 Quoi, ça c'est à court de ressources? What the fuck, bro? Nos ressources s'épuisent rapidement. Nous devons trouver une autre mine d'or et lever des troupes. Nous pourrons ensuite nous mettre en route pour le refuge des saisons. Ah. Qu'il en soit ainsi. Par là, hein. Déesse, montre-moi la voie. Qu'est-ce que... Pour Kalimdor. Et moi attaquer eux. Qu'il en soit ainsi. Qui menace la nature? Je sers la déesse. On va aller voir, il doit y avoir un autre truc ici, hein. La déesse appelle. Une autre mine d'or là, hein. Parée lune. Déesse, montre-moi la voie. Une minute. Je connais ces Furbolg. Ils ont fui Orneval lorsque la corruption a commencé à se répandre. Peut-être n'ont-ils pas échappé à la corruption pour autant. Et ils ont bu dans l'eau verte. Quel bandit du haut. J'entends la voix des lunes. He's bad man. Anudora. Ashtoraman.
et Nourifa. Ils ont été bêtes. Je n'ai jamais vu ces créatures si agressives auparavant. Dans ce cas, je vais abréger leur malheur. Andu Falador. Mais c'est fini, ils sont morts. Andu Falador, là. À 1200, 2000 seulement. Ah, pas dingue. On va essayer de finir. Alors, si je me déracine... Merde, voilà, c'est que je me disais... Ah, fuck. Ouais, j'aurais dû... J'aurais dû continuer dans Télamine. Une fois qu'elle est finie... Ah, god, c'était un peu bête, mais bon, c'est pas grave. Je suis à qui menace la nature. Qu'il en soit ainsi. J'entends la voix des lunes. Parlez. La déesse. Oh, god. Au nom de Sénatus. Anudola. Qui menace la nature. Pour Kalidor. Ils attaquent en plein, ils attaquent au-dessus de moi quoi. Pour Kalidor. Et Nourifa. J'entends la voix des lunes. J'entends la voix des lunes. Qui menace la nature ? Bâtiment je sers la. Il me saoule cet endroit là bizarre. Je sais pas il est lié à quoi. La déesse appelle. La déesse appelle vraiment. Ashtoraman. La déesse appelle. Par Elune. Oh ça me tilt à chaque fois qu'elle dit la déesse appelle. Hein. Tout de suite. Par Elune. Tous les autres ils peuvent rester en vrai. J'aime bien ces unités là. Ashtoraman, je sers la déesse. Qui me menace? Une mine d'or s'est effondrée. J'entends la voix des lunes. Qui menace la nature? Voilà qu'elle s'est effondrée. Lui effectivement il peut se déraciner. Et venir hanter cette mine. Déesse, montre-moi la voie. Dans le temps qu'il se déplace, frère. Ah, que la nature est belle. Anudora. J'entends la voix des lunes. Au nom de Scénarius. Il a un pouvoir, Scénarius. Porte de la nature, transforme une grande zone boisée en trois triangles. Chaque triangle, des trois emprunts. Oh, Sarment. Les racines jaillissent du sol, immobilisant. Ok. Comme ça, si je fais ça, je peux plus bouger quoi. Mais genre, est-ce qu'il peut faire des attaques désarmant la cible, ouais, c'est abusé. Qui menace la nature? Qu'il en soit ainsi. Tout de suite. Fantôme de force à Malfurion, allez. Ashtoraman. Je sers la déesse. Tout de suite, la déesse appelle. Par Elune. J'en ai marre, ça me fait trop rire la déesse appelle. Que la nature est belle. Ça me fait chier, parce qu'en vrai c'est pas si marrant que ça, mais ça me fait trop rire. Arbre des âges. C'est pas si drôle, mais je sais pas, je trouve ça hilarant. Par qui j'entends la voix d'Elune. Oui. Qu'il en soit ainsi. Qui menace la nature? Ils sont venus, eux. Ils sont venus. Quel passage peut les permettre de venir? Y a pas de route, frère. Où est-ce qu'ils sont venus? C'est bizarre. C'est bizarre, vraiment bizarre. Ashtoraman, je sers la déesse. Je sers la déesse. Tout de suite. On va chercher les druides. Hein. Qu'il en direct. Soit ainsi. Ça se trouve, il n'y a pas besoin d'une grosse armée. Pour Kalimdor.
position. Cherche. La déesse appelle. Il souille notre sanctuaire. Oh fuck. À nous de là. Ashtoraman. Qu'il en soit ainsi. On peut pas combattre lui. Ils ont fait le quoi? Ah bah eux ils ont juste attaqué et du coup ils s'entre-attaquent. En vrai j'ai déplacé mes bâtiments qu'ils arrêtent d'être là quoi. Venez vous. Venez les frères. Venez. Et c'est pas détaché lui. Venez les frères, on va se mettre là. J'entends la voix des lunes. Qui menace la nature ? Qui menace la nature ? Pareil lune. Ah, mets-toi là. Côté protecteur. Un frère. Mets-toi là. Toi aussi, t'as un frère, mets-toi là. Vas-y, tu te mets là. La déesse appelle. La déesse appelle. La déesse appelle. Pareil lune. Qui menace la nature? Tout de suite. Enurika. Quel appel pour la nature? Ashtoraman. Au nom de Cenarius. Non, elle va partir, non! J'entends la voix des lunes. J'entends la voix des lunes. Ah, j'aurais dû faire ça. En plus, avec E, je crois qu'il peut plus attaquer. Ah, tu peux encore attaquer. Qui menace la nature? Ah, les gars, ils menacent la nature, c'est chiant. Ah, ça me fait trop rire. Les gars, ils menacent la nature, c'est trop. Non, y'a aucun respect, quoi. Ashtoraman. Ashtoraman. D'ailleurs, Aman a un perso de. Du cycle des démons. Faut vraiment que je finisse cette saga. En plus, le dernier livre, je l'ai et. Je lis jamais, quoi. Qu'il en soit ainsi. Une mine d'or s'est effondrée. Ouais, je. Construisez plus de que la de nature lune. Est belle. Ouais, ma souris fonctionne je plus. Je vais en acheter une demain. Je sers la déesse. Le problème, c'est le câble. Hein. Les câbles ne tiennent pas. Toujours c'est la même chose. C'est des câbles qui tiennent jamais la vie, jamais de leur vie ils tiennent. Qu'il en soit. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Franchement ça devrait le faire, non? Un problème? Ouais parce qu'on a des défenseurs. Un problème? Ah merde, on a plus de. J'entends la voix des lunes. On a plus d'or, faut se déplacer. Au nom de Cenarius. Qui menace la nature? Pareil lune. Oh god. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Oui. Que la chasse commence. Avec plaisir. Ah, il me faut des puits. Pas oh, plus d'unités. Oh, mais c'est trop chiant de les avoir construits là. Ils vont se faire détruire par les ennemis. Oh. Par qui sommes-nous envahis? J'entends la voix des lunes. Tu veux vraiment savoir? Qui menace la nature? Ashtoraman.
Direct, hein. Ce sera fait. Parlez. La déesse appelle. Tout de suite. Bâtiment construit. Bâtiment construit. Achetons-le. Elle est là, plus, hein. Montre-moi la voie. Tu as changé, Tyrande. Nora. Il reste bien peu de place pour la pitié dans ton cœur. Il y a bien longtemps, j'ai juré de défendre ces terres, Malfurion. Je n'ai jamais eu le luxe de pouvoir me reposer alors que le danger menaçait. Si cette veille sans fin t'a endurci, mon amour, c'est que les desseins de ta déesse le voulaient. Qu'il en soit ainsi. Déesse, montre-moi. Oh, les fulbores, on les a fulborisés, quoi. Tout de suite. Ah, que la nature est belle. Je vous écoute. Quel appel pour la nature ? Quel appel pour la nature ? C'est parti. Ashtoraman. Je suis prête. Le danger rôde droit devant, prêtresse. Avancez avec prudence. Prudence, hein. Je ne crains rien. On connaît pas trop qui est Prudence, mais on va essayer. Voilà pour healer ou pas ? Un problème ? Parce que. Je suis à vous. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens ? Par Elune. Quelque part, oui, hein. Oui ? Un problème ? C'est parti. Déesse, montre-moi la voie. Je suis prête. Quel appel pour la nature ? S'appelle. Par qui sommes-nous envahis ? En route. La déesse appelle. On va pas pouvoir se soigner qui plus que ça. La nature. Qu'il en soit ainsi. Avec plaisir. J'entends la voix d'Elune. Faites vite. Quel appel pour la nature ? Est-ce que je me fais quelques... Pas assez d'or. Ouais, j'ai plus d'or. Moi, je m'en fais une. Ashtoraman. Une catapulte, allez. Qui menace la nature ? On va voir s'il n'y a pas d'autres... D'autres puits d'or. Je sers la déesse. Oh non, pas ici ! Par qui sommes-nous envahis ? Un problème ? J'entends la voix des lunes. Vraiment, ils souillent notre sanctuaire là. Mais ils viennent d'où ces orques ? C'est ça le problème que je comprends pas. Ils viennent par ce tunnel ? Les bâtards. La déesse appelle. Pour le guerrier s'attaque à l'ennemi. La déesse appelle. Oui. Je viserai juste. Par qui sommes-nous envahis ? En route. J'entends la voix de notre sanctuaire. Pour Kalimdor. Oh. Ashtoraman. Qui menace la nature ? Ouais, salaud, ils m'ont pété des bâtiments là. Ils souillent notre sanctuaire. Oh, mais come on ! Un problème ? Qui menace la nature ? Par qui sommes-nous envahis ? J'entends la voix des lunes. Un problème ? Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Pas assez d'or. La déesse appelle. Un T9 pognon. Tout de suite. Oui ? Pour les arbres. La déesse appelle. Quel appel pour la nature ? Ashtoraman. Tout de suite. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Cenarius. Qui menace la nature ? Un problème ? Vous allez goûter à ma lance. J'entends la voix des lunes. Par qui sommes-nous envahis ? Achetons la main. Quel appel pour la nature ? J'entends la voix des lunes. C'est eux la touche. Rien quand j'utilise, quand elle sert plus à rien, quoi. Qui menace la nature ?
La déesse appelle. La déesse appelle. Je vais déplacer tous mes bâtiments aussi. Hein. Venez déjà. Hein. Qui menace la nature ? Quel appel pour la nature ? J'entends la voix des dieux. Oui ? Ashtoraman. Un problème ? La déesse appelle. Par qui sommes-nous envahis ? Ashtoraman. Oui ? Et nous refaire. Vous allez goûter à ma lance ! J'entends la voix des lumières. La déesse appelle. Qui menace la nature ? Quel appel pour la nature ? Qui menace la nature ? La déesse appelle. Un problème ? Par qui sommes-nous envahis ? Ashtoraman. J'entends la voix des démons. Qui nous laisse en position ? Oui ? Je viserai. La déesse appelle. Il peut tirer là-dessus. La déesse appelle. Ce sera fait. J'entends la voix de lune. Il dure combien de temps son invisibilité à lui ? À vos ordres. La déesse appelle. J'écoute. Tellement plus d'unités, tellement hâte de leur voler leur mine d'or, qui a que 2000 pièces hein. Il me déplace ça, ouais. Normal. J'entends la voix des lumières. Ashtoraman. Pour Kalimdor, il souille notre sanctuaire. Anudoram. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, on va tuer, tu vois. Oh, que j'ai les héros. Une catapulte. Il souille notre sanctuaire. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. On laissait les tranquilles. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres ? Pour Kalimdor. Ils aimaient bien que je les avais construits à des endroits à chier, mais bon. À ce point-là, quand même, je savais pas. J'écoute. J'utilise mes bâtiments pour leur péter la gueule. Quand même dingue. Alors, tellement mieux. Oh non! Il est trop proche! Tire-toi! Va bouffer un arbre pour Eden. Je vous écoute. À vos ordres. Où faut attaquer ça ? Ici on les feux follets. Ah, j'ai 5 feux follets là qui doivent venir ici. La déesse appelle. Bâtiment construit.
crois qu'ils vont le réparer assez vite, après ils peuvent venir. Oula, ça a lagué là. 2000 pièces d'or, va falloir que j'utilise de manière lucide, je pense. Parce que là, pour attaquer le reste de la zone avec 3 pecnos, ça va être compliqué, hein. Je ne fais qu'un avec la terre. J'ai perdu tellement d'hommes. Oh, merci. Soyez prudente, prêtresse. Ces bois grouillent de morts-vivants. Qui menace la nature ? Merci, parce que j'ai plus rien. La souris ! Paris lune. Je sers la déesse. La souris. Qu'est-ce que... Ce jeu est tellement haché qu'il lag à ce point. C'est chaud de ouf, hein. Ok, ma souris fonctionne pas. Hein. Il va falloir vraiment que je fasse. En plus, putain, demain j'avais un truc à faire là. Il souille notre sanctuaire. Mais non, il souille pas notre sanctuaire vu qu'on a des arbres. La déesse appelle. Yo, ça va ou quoi? C'est une part zeppelin, mais quel idiot. Oh non. Oh, le jeu lag tellement, je sais pas ce qu'il lui prend. C'est la fumée ou quoi même? Ouais, je joue en difficile. Désolé, j'avais pas vu le chat, vu que de toute façon mon chat il est dead. Pas fait gaffe. Ma souris est full baiser. Hein. En plus j'ai perdu mon... Non mais non. J'ai perdu mon... Ça me saoule parce que vu que c'est le câble, j'ai juste rien à faire, tu vois. Razer, hein. La pire marque en vrai. Pour Kalimdor. Pour tellement des trucs à chier. On va plutôt attendre de se faire une petite armée avant d'y aller. Pas assez d'or. On va travailler. Il souille notre sanctuaire. Faut que je la teste avec un truc. Il souille notre sanctuaire. Bah laissez-les souiller. Ah, quoique. Mais non. L'or est presque à court de ressources. Il souille notre sanctuaire. Oh là. Quel idiotie. Laissez-les souiller mon sanctuaire. Il souille notre sanctuaire. Oh, ça va mieux. Oh, ces bâtards qui souillent notre sanctuaire. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? J'aurais vraiment pas dû les mettre là, je les ai mis au pire endroit. Hein. Je les ai legit mis au pire endroit possible. Je pense. Ouh, franchement, ils doivent faire partie de mon armée. Hein. Bon, ils sont limite trop puissants, mais bon. Mais bon, ils sont tellement lents. Ils sont tellement lents, ces idiots. Quel appel pour la nature ? La déesse appelle. La déesse appelle. Oh. Déesse, on a marre. Montre-moi la voie. Faites des soldats, faites des brebis. Pas faites des archers. Ah non, il me faut dans tout ça, il me faut une deuxième catapulte. Sinon je vais péter un câble.
Est-ce que ça vous paraît bien? 3 brebis, 3 physiques. Peut-être pas 3 physiques. Peut-être plutôt 2 archers. C'est plus efficace d'avoir 2 archers. Je vous écoute. Pour les mêmes dégâts. Position. Indiquez-moi le chemin. Déesse, montre-moi la voie. Il faut vraiment... Il y a encore de l'or? Ouais. Faire peut-être une troisième catapulte. Pas assez d'or. La nature est belle. Pas assez d'or. Pas assez d'or. Dommage qu'on puisse pas détruire les puits pour les pour gagner leur argent. Qui menace la nature? Qui menace la nature? Lune. On se demandera toujours qui menace la nature. Pas assez d'or. Je vais prendre ces améliorations. Déesse, montre-moi la voie. En espérant que ce sera suffisant pour avoir une troisième catapulte quand même. Ah, que la nature est belle. Une mine d'or s'est effondrée. J'aurais pas assez. Est-ce que je sacrifie 2 unités pour une autre catapulte? Il me reste 70. Ouais, parce que il va y avoir des bâtiments et ça va être important. Ok, en fait ma souris fonctionne pas. C'est une merde sur le capteur. Pourtant je l'ai vérifié avec de la lumière et tout, il y avait rien. C'est juste qu'il a dû se rebouffer une bêtise. Je vais faire un groupe 2 avec les healeuses. Et un groupe 3 avec les catapultes. Quel appel pour la nature? Qui menace la nature? Alors que personne ne menace la nature, les grands. La nature va bien. Ils sont vraiment trop stylés les bâtiments ennemis. Hein. Enfin, les bâtiments des hommes de la nuit. Enfin, des elfes de la nuit. Ils souillent notre sanctuaire. Mais putain, arrêtez de souiller! Oh, tant pis. Hein. On va essayer de souiller notre sanctuaire, qu'est-ce que vous voulez? J'entends la voix des lunes. Où est-ce qu'on va leur péter la gueule une dernière fois? Ah mais je les ai mis sur la route des ennemis quoi, le pire truc. Tant pis. La déesse appelle. Ouais, maintenant j'ai même plus assez du... Ok. On va essayer de go comme ça et voir ce qu'on peut faire. Oui. Un problème. J'entends la voix des lunes. Pour les arbres. Faites vite. Ashtoraman. Par qui sommes-nous envahis? On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Par qui sommes-nous envahis? Indiquez-moi le chemin. Pour les arbres. C'est la nuit? Quel appel pour la nature? Avec plaisir. Ashtoraman. Un problème? La déesse appelle. Pour Kalimdor. Ce sera fait. Pour Kalimdor. Je suis là. Oui? C'est parti. J'entends la voix des lunes. Quel appel pour la nature? Recherche tes lunes. Oh, c'est le bordel, hein. Par qui sommes-nous envahis? Qui menace la nature? Oui. Que la chasse commence. J'entends. Mais putain, il a poule tout le monde, ce con! Ashtoraman. Oui. Par qui sommes-nous envahis? Maintenant, la nuit est en train de... Oh là là. J'en suis très mal sorti, je trouve. En vrai, ça va, mais je m'en suis très mal sorti. Ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer beaucoup plus. Les héros prennent tout dans la gueule. Je vais envoyer les héros et je vais les faire tuer en fait. Je vais la jouer à la LOL. J'entends la voix des lunes. En vrai, les autres les aider derrière si besoin. C'est-à-dire, les héros, c'est groupe 1. Et tout le reste. Un problème? Est-ce que tout le reste rentre? Non. En position. Par qui sommes-nous envahis? Groupe 2. En position. Un problème? Je suis prêt. J'entends la Qu'est-ce voix que... Ouais, ok, c'est les gentils. Je sers la déesse. Pour Kalimdor. Pandora. Recherche terminée. Ashtoraman. Je suis à qui sommes-nous envahis? En route. La déesse appelle.
Parlez. Un appel pour la nature. En position. Oui. Que la chasse commence. C'est parti. Ashtoraman. Un problème? Je suis à... Par qui sommes-nous envahis? En vrai, ça va, hein. Voilà. T'as des barres de vie, utilisez-les, quoi. Qu'il en soit ainsi. Et nous... Voilà. Il faut aller choper des tréants. Y'a pas assez d'arbres. Ce sera fait. Qui menace la nature? Ce sera fait. Anudora. Par lune. Je suis prête. Par qui sommes-nous envahis? J'entends. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Anudora. Faites vite. Parlez. Un problème? Je suis prête. Ashtoraman. Pour Kalimdor. Ça va. Alors est-ce que... Je sers la déesse. Ils peuvent encore popper ou c'est bon, c'est qu'une fois là. Des embrouilles d'ennemis là. Tout de suite. Que Malfurion a encore un peu de mana. Ouais. La déesse appelle. La déesse appelle. J'en peux plus de cette de ce call là. La déesse appelle, what the fuck. Ils sont là longtemps. Ouais, ils sont là longtemps. J'entends la voix des lumières. Il level up ou pas? Je crois qu'en plus ils sont capés level 5 et que ça me sert à rien. Parlez. Oui. Pour les arbres. Qui menace la nature? Pour les arbres. Tout de suite. Vraiment pour les arbres. Je sers la déesse. En position. Ma patience. Le guerrier s'attaque à l'ennemi. Je ne crains rien. Quel appel pour la nature? Je suis à... Ok, là il y a... Un problème. Et quelques ennemis. Faites vite. La déesse appelle. Au nom de Cenarius. Est-ce qu'on est bientôt sorti de cette merde? Cette forêt est gigantesque. Il souille notre qu'il sanctuaire. Paraît lune. Eh, va forcément y avoir des trucs. Ouais. Kalimdor. En position. Par qui sommes-nous envahis? Je suis prête. Quel appel pour la nature? Parlez. Il souille oui notre sanctuaire. Je suis à l'aise. Quel on appel peut, pour on peut la pas nature passer, hein. Faites vite. Par qui sommes-nous envahis? On peut pas passer. J'entends la voix des lunes. Tout de suite. J'entends la voix des lunes. Je sers la déesse. En un position. Problème. Il souille notre sanctuaire. Oui. Quoi? Menace la nature. Nos guerriers s'attaquent dans les l'ennemi ténèbres. Un problème? Je suis prête. Par qui sommes-nous envahis? Ça va, ça va. Ils sont... Il est fort, il est fort. Ils peuvent toujours attaquer quand ils sont debout ou pas? Je crois que oui, hein. On va voir. Ah, ok. Il doit être placé. My bad. Je suis à quel appel pour la nature? Oh fuck. Oui, c'est parti. Ah. Ils ont pull des ennemis qu'il fallait pas tout seul et ils sont tous morts comme des idiots. Ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus j'ai même pas assez. Bon c'est pas grave. La déesse appelle. Qu'il en soit ainsi. Un problème. La déesse appelle. Vraiment, ça me fait trop rire, la déesse appelle. Qui menace la nature? Quel appel pour la nature? Parlez. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Je sers la déesse. La voix des...
Faites vite. Recherche terminée. Ashtoraman. Ok. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres ? Eh bien, une grosse, grosse. Une grosse, grosse menace, frère. Une menace, la nature. La déesse s'appelle. Pour les arbres. J'entends la voix des plaines. Oui, je viserai juste. Par qui sommes-nous envahis ? Vous allez goûter à ma lance. Au nom de Scénarius. Pour la nature. Avec plaisir. J'entends la voix des runes. Quel appel pour la nature ? Je suis à vous. Un problème ? Pour les arbres. Ashtoraman. Pishka, c'est ok. Je sers la déesse. Anudora. Enuriva. Par élune. Je coquais. Tout de suite. J'entends la voix des hommes. Oui. Que la chasse commence. Il vient, lui. Qui menace la nature ? Par qui sommes-nous envahis ? Je viserai juste. La déesse appelle. Oui ? Par qui sommes-nous envahis ? C'est parti. Ashtoraman. Qu'il en soit ainsi. Ashtoraman. Qui menace la nature ? Au nom de Scénarius. Ashtoraman. La déesse appelle. Ok. Tout de suite. Et il tue tout le monde, donc je vais vraiment venir même ici. J'entends la voix des lunes. Je sers la déesse. Pour Kalimdor. Ah. Ce sera fait. Ashtoraman. Qu'il en soit ainsi. Quel appel pour la nature ? Faites vite. Un problème ? Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Ils souillent notre sanctuaire. Ah mais en fait c'est vraiment ils repop et tout, donc c'est trop chiant. Je viserai. Oui ? En position. Par qui sommes-nous envahis ? Quel appel pour la nature ? Je suis prête. Quel appel pour la nature ? Il fuit notre sanctuaire. Vous allez goûter à ma lance. J'entends la voix des lunes. Oh bon, j'entends la voix des lunes. Qui menace la nature ? Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. La déesse appelle. Par qui sommes-nous envahis ? Il fuit notre sanctuaire. À nous donner. Ashtoraman. Ah, God, c'est trop chiant. Tout de suite. Oui. Faites vite. Qui menace la nature ? Par qui sommes-nous envahis ? Parlez. La déesse appelle. Le Kalimdor. Il fuit notre sanctuaire. J'entends l'appel pour la nature. J'entends la voix des lunes. Pour Kalimdor. En position. Trouve Ashtoraman. Quel appel pour la nature ? Faites vite. Il souille notre sanctuaire. Que la chasse commence. La déesse appelle. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. La nature. Par qui sommes-nous envahis ? Que la chasse commence. J'entends la voix des lunes. Par élu. Vraiment. Il souille notre sanctuaire. Un problème ? Ils n'arrêtent pas de pop en fait. Avec plaisir. Parlez. C'est ça qui est chiant. Moi je pensais qu'on pouvait être intelligent, mais en fait c'est une mission de merde. Bon, c'est pas grave. Ah.
fallu quand même un moment pour me rendre compte que c'était bugué. Pas que c'était pas bugué, mais que c'était de la merde. Ils arrêtent pas de spawn, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer d'avancer tranquille et de clear de manière intelligente. Les créons sont devenus fous. Ils ne méritent pas un tourment si cruel. Damn. N'approchez pas un insecte. Le seigneur Ticondrius nous a ordonné de tuer quiconque tenterait d'entrer ici. Et c'est ce que nous allons faire. Misérable vaurien, le simple fait que vous fûtes jadis des elfes de la nuit me déchire l'âme. Damn. Mon âme est déchirée. Damn. Mon âme est déchirée. Qui menace la nature? Au nom de Scénarius. Un problème? Vous allez goûter à ma lance. Et du coup, je peux pas faire passer mes bâtiments, ça va être un truc de fou. Oui. Va falloir une escorte de fou. Quel appel pour la nature? Pour les arbres, en position. Un problème? Achetorum. Oh mais god! C'est quoi F? Oui, j'entends la voix de C'est parti. Que la chasse commence. Par qui sommes-nous en route? Par qui sommes-nous en route? En route. Je suis prête. Appelle-toi la nature. Faites vite. La déesse appelle. Un problème? Parlez. J'entends la voix des lunes. Qui menace la nature? Oui. Oh god. Je suis prête. Je vais devoir sauvegarder. Et voir comment est-ce que je vais faire passer mes bâtiments en fait. Moi j'avais pas compris. Que ça va être la merde comme ça. Je vais envoyer. Déjà, je vais tous les faire se déplacer et puis je vais envoyer mes héros les couvrir. Pour envoyer mes héros et eux les couvrir en vrai. Ils vont se faire tirer dessus. Ah ouais. Ouais, c'est perdu en fait. Ouais, c'est perdu. C'est perdu parce que j'avais pas compris. C'est perdu parce que j'avais pas compris. Il faut que je recharge et que je retraverse cet endroit avec tout le monde. Je pensais pas qu'il spawnait à l'infini. Du coup, ça sert à rien. Tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. On recharge la sauvegarde 2. Damn. Ouais, ça sert à rien. Après, on va juste longer, tant pis. On va pas se faire chier. J'entends la voix des lunes. Groupe 1. Quel appel pour la nature? Groupe 2. En route. Parlez. Groupe 3, du coup. Du coup, les feux follets. Et ça, ce sera groupe 4. Et mes bâtiments seront groupe 5. Groupe 5. Ashtoraman. Oui? Faites vite. J'entends la voix des lunes. Recherche terminée. Oui, Riva. Par qui sommes-nous envahis? Je suis. La déesse appelle. Quel appel pour la nature? Un problème? Parlez. Qui menace la nature? Qu'il en soit ainsi. Par élu. Qu'il en soit malheureusement ainsi. Ashtoraman. Oui?
Quel appel pour la nature ? C'est parti ! Un problème ? En position. La déesse appelle. Par qui sommes-nous envahis ? Je suis à la... Oh god ! Tellement horrible ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent un peu plus de place, ils poulent autre chose, tu vois. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. À chaque fois. Qui menace la nature ? Oui. Je suis prête. Par qui sommes-nous envahis ? Vous allez goûter à ma lance. Je viserai. Oh, God ! Quel appel pour la en position. Quel appel pour la nature ? Faites vite. Un problème ? Que la chasse commence. Vous allez goûter à ma lance. J'entends la voix du monde. Nos guerriers s'attaquent. Oui. C'est parti. Vous allez goûter à ma lance. J'entends la voix du monde. Oh, et l'autre qui est mort, quel idiot. Je peux le ramener ? Oui. La déesse appelle. Par qui sommes-nous envahis ? Je suis à l'aise. Oui ? C'est bon, c'est bientôt fini. En route. Qui menace la nature ? Un problème ? Je suis prête. La déesse appelle. Appelle pour la nature ? Parlez. Ashtoraman. Par qui sommes-nous envahis ? J'entends la voix des lunes. Un problème ? Parlez. En position. Bon, ça va. Quel appel pour la nature ? J'ai connu pire comme transfert. Je vais sauvegarder. Et je vais juste attendre que l'autre revienne à la vie. Et soit là direct. Ouais. Quoique, vas-y, je peux tenter. La nature. Il souille notre sanctuaire. Je peux tenter de passer peut-être. Ah, oh, mais ils vont détruire ça avant qu'il revienne à la vie. Il pourra pas venir, c'est ça ? God fucking damn it, man. Ashtoraman. À vos ordres. Très bien. Il souille notre sanctuaire. Et elle poule un truc. Ça. Prendre Malfurion, il va poule des trucs en venant. C'est qui est chiant. Ouais, forcément. Forcément, parce qu'il va être trop con. Il souille notre sanctuaire. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens ? Oui. Ce sera fait. Ça m'a l'air évident. Il avait une potion de soin en plus et je l'ai laissé mourir. Pour Kalimdor. Est-ce qu'il va être capable de faire quoi que ce soit contre 300 400 PV. Il faut 11 attaques pour en tuer un. Jamais il les tue. On va pas laisser détruire les trucs. Ce sera fait. Anudora. La déesse appelle. Je ne fais qu'un. J'en peux plus d'entendre la déesse appelle, je te jure. Ça me fait trop rire. Il souille notre sanctuaire. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Tout ceci pue la merde. On va enregistrer et on va go. J'entends la voix des lunes. Oui, avec plaisir. Par qui sommes-nous envahis ? Nos guerriers s'attaquent. Par qui sommes-nous envahis ? La déesse appelle. Non, mais Tyrande qui meurt gratos. Tyrande qui meurt gratos là. Tyrande qui peut pas tanker. Tyrande qui doit tanker. Je perds les autres unités. Tiens, qu'ils soient un vrai être humain, quoi. Enfin. Sois forte, quoi. Je viserai juste.
Vous allez goûter à ma lance. J'entends la voix des lunes. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Je suis prête. J'entends la voix des lunes. Pour les arbres. La déesse appelle. Que la chasse commence. Je suis... Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Je ne fais qu'un avec la terre. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Oh non. Tire-toi. Tire-toi, Anna. Oh. Il a raté. Pars-toi. Mange un arbre. Ashtoraman. Qui menace la nature? J'entends la voix des lunes. Oh god. Oh, je te jure. Avec plaisir. La déesse appelle. Pour les arbres. Avec plaisir. Pour les arbres, frère. Pour les fucking arbres. Pour les fucking arbres. J'entends la voix des lunes. Pour les arbres. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres? Pour Kalimdor. Qui menace la nature? En route. Ashtoraman. J'arrive pas à croire que qui menace la nature, certains ont sont restés en vie. J'ai que 5000 or, hein. va falloir gérer ça. Y'a quoi ici? Bâtiment. Non, construit. C'est quoi cette embrouille? Tu le revenant d'outre pour libérer la forêt. Oh god, on pouvait libérer la forêt. Oh, on peut libérer la forêt. On peut libérer la forêt. Libérer la forêt, qu'est-ce que je te dise? On va libérer la forêt. Non mais à chaque fois, il y a une embrouille. Cette mission, elle m'a pris le cerveau. Cette mission, elle m'a legit pris le cerveau. Personne m'a MP pour un truc chelou, c'est bon. J'entends la voix des lunes. J'entends la voix des lunes. Oui. En route, je suis à... Et rien d'autre. Bon allez, go libérer la forêt cette fois. Paris lune. Faites vite. Faut libérer la forêt. Faut libérer la forêt, on a dit. La déesse appelle. La déesse appelle. Faut libérer la forêt. Personne vous a dit d'attaquer, vous. Je sers la déesse. Vous allez goûter à ma lance. Parlez. Recherche terminée. Je suis à... Qu'il en soit ainsi. Paris lune. Voilà. Qu'il en soit ainsi. En position. Ce sera fait. La déesse après. Faites vite.
Je suis prête. J'entends la voix des lunes. Tout de suite. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. En position. Je viserai juste. Vous allez goûter à ma lance. Quoi, ils ont corrompu ma chasseresse? Non. Putain. Ça c'est chaud de ouf. C'est par là hein. Ouais, c'est forcément par là. Pour les arbres, faites vite. J'entends la voix des lunes. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Je suis à l'arbre. En position. Pour les arbres. Qui menace la nature? Ce sera fait. Je suis à l'arbre. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Au nom de Sénarius. Vous allez goûter à ma lance. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. En route. Là on est plus ou moins pas mal. On resterait sur ces bêtises ou choses d'arbre. J'entends la voix des lunes. Qu'il en soit ainsi. Et nous rivons. Oh mon dieu, le truc quoi. Pour Kalindor. On va libérer la forêt, on va libérer la forêt les gars. On va libérer la forêt, on va libérer la forêt. Nos guerriers s'attaquent. Que la chasse commence. Je viserai juste. Qui menace la nature? Vous allez goûter à ma lance. Que la chasse commence. Oui, que la chasse commence. Nice, la forêt est libérée. Mais là, c'est mieux. Mais ouais, c'est mieux. La déesse appelle. En même temps, c'est mieux, frère. Espérons que la nature puisse se rétablir de cette maudite corruption. Nous devrions partir. Oh, quel plaisir. Le refuge des saisons se trouve dans la vallée devant nous. Quel plaisir de pas avoir été bête. Quel plaisir de pas avoir été bête. Quel plaisir. Il souille notre sanctuaire. Allez, venez. Venez ici. Qui menace la nature? Et toi, c'est pareil. Avec la oui. Terre. Parlez. J'entends. Juste que je vais vite fait invoquer full arbre. Il souille notre sanctuaire. Un problème? Ashtoraman. Et les arbres avec. On skip. Voilà. Je viserai en position. Ashtoraman. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Et nous rivales. Je suis prête. Au nom de Sénarius. Je crains. Tout de suite. Du coup, tout est nickel. Ça, je me fais d'autres arbres. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Par exemple, je sers la déesse. En position. Faites vite. Je me trompe. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Pour Kalindor. Quoi? C'est parti. Avec plaisir. Vous allez goûter à ma lance. Pour les arbres. Et what the fuck, frère. Même quand on gagne, on finit par se faire avoir par ces types là. Faut que je déplace mes trucs sans que au moment où ils passent pas, c'est trop chiant. C'est trop chiant et on me tue des unités, j'en ai trop besoin. Et putain, qu'est-ce qui casse les couilles ces putains de chauves-souris et de merde.
nature. Vas-y, je vais envoyer les héros. Qu'il en soit ainsi. Envoyer les héros. Que la chasse commence. Un problème. Notre sanctuaire. Oui. Je suis prête. La déesse appelle. Parée lune. Vous serez l'arrière-garde. Tout de suite. Par qui sommes-nous envahis? Parlez. Ils souillent notre sanctuaire. Qui menace la nature? Vraiment? Ashtoraman. God damn. C'est à ce point-là des casse-couilles, quoi. Parlez. Oui? En route. À ce point-là, des casse-couilles. Je viserai juste. C'est parti. Un problème? Il souille notre sanctuaire. Vous allez goûter à ma lance. La déesse appelle. Quel appel pour la nature? Je suis prête. Ma patience est récompensée. Oui? Ils sont notre sanctuaire. Que la chasse commence. Je viserai juste. Qui menace? Faites-vous quel appel pour la nature? Je suis un problème. Je ne crains rien. On va se mettre là. L'autre défenseur. Il va se mettre là. Lui. Ancien de la guerre. Il va se mettre sur la route. Non, il va quand même se mettre sur le côté. Ancien du savoir. Sur le côté aussi. Le vrai, c'est l'autre là. Merde. Ancien de la vie, il faut qu'il. Mettre là. Les feux follets, faut qu'ils aillent là-dessus. Même s'ils peuvent pas. Ça, c'est le groupe 3. Il faut qu'ils survivent seulement. Qu'ils restent là. La déesse appelle. Qu'il en soit ainsi. Je sers la déesse. Oh god. Ok, la première chose à faire c'est des puits, malheureusement, parce que j'ai pas de quoi faire d'unité si j'ai pas de puits. Ce qui veut dire... À 50, 60, 70, 80 ça devrait être suffisant. Pas quand... assez d'or. Ouais mais en même temps ils sont stupides. J'ai essayé de tous les sélectionner pour en faire plein d'un coup. Et eux, ils l'ont pas fait. Je peux même pas régénérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est quoi la quête? Exact, détruire la base de des elfes de la nuit corrompus. Oh. Ok. On va faire ça de manière lucide. Et pas comme ce passage de la forêt horrible que j'ai même pas réussi à comprendre. Essayer de checker un petit truc. Et qu'est-ce qui se passe là? Tout de suite. Je sers la déesse. Le sommeil a-t-il engourdi mes sens? J'entends la voix. Oh god. Bâtiment construit. Par qui sommes-nous envahis? En route. Vous allez goûter à ma lance. C'est parti. Vous allez goûter à ma lance. Avec plaisir. Qui menace la nature?
Tout de suite. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. J'entends la voix des ennemis. Parce que ouais, il m'aurait tiré dessus si j'avais pas... Ashtoraman, qu'il en soit ainsi. On détruit ça. En route. Même si c'est super chiant. Les guerriers s'attaquent à l'ennemi. Pas assez d'or. Pas assez d'or. Ils souillent notre pas sanctuaire. Assez d'or. Par qui sommes-nous envahis ? Je viserai juste. C'est parti. J'entends la voix des lunes. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Vous allez goûter à ma langue. Et putain, ils l'ont détruit. Ils sont trop chiants. Mais bon, je l'aurais bien utilisé. Je viserai. La déesse appelle. C'est bon, je l'ai détruit, c'est gagné. Ah oui, que la nature est belle. Je suis prête. Qui menace la nature ? Un problème ? Quel appel pour la nature ? Par qui sommes-nous envahis ? Oui ? C'est parti. Ashtoraman. Je sers la déesse. Quelle est la menace qui pèse sur ces terres ? Faudrait que je prenne des arbres ici, hein. Avant d'attaquer, ouais. Ça me paraît bien. Ah, que la nature est belle. J'entends déesse, la voix des montre-moi lignes. La voix. C'est bon, faible coup. Un peu de pognon. Je vais faire une autre catapulte. Et je pense qu'on est bon. On va en faire 4. Encore une comme ça. Pas assez d'or. Pas assez d'or, mais je pense qu'on est bon. Pas assez d'or. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon pour gagner. C'était assez d'or. Au final. Juste attendre les deux catapultes, c'est gagné, je pense. Qui peut être un peu long. Après, je peux pas utiliser Tyrande pour juste être intelligent une seconde. Et jeter un coup d'œil. Donc là, c'était évident qu'il fallait détruire ces catapultes là. Qu'il m'attaque. Que la nature est belle. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. La déesse appelle. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Ah, ils envoient des trucs. Ah, ils font chier. Oui. Qui menace la nature ? Je ne fais qu'un avec la J'entends terre. J'entends la voix des lunes. À nous, Zora ! Quel appel pour la nature ? Vous allez goûter à ma lance. Je suis prête. Oui ? Par qui sommes-nous envahis ? Quel appel pour la nature ? Un problème ? Par qui sommes-nous envahis ? J'entends la voix des lunes. Oui ? La déesse okay. Appelle. Pour Kalimdor. Qui menace Quel la appel nature pour la nature ? La déesse appelle. J'entends la voix des lunes. Je suis prête. Pas de problème. Que la chasse commence. Ashtoraman. Ashtoraman. Par qui sommes-nous en vie ? Je viserai. La déesse appelle. Oui ? Ashtoraman. Oui ?
pour la nature. Un problème. J'entends la voix des lumières. Par qui sommes-nous envahis? Oui. Que la chasse commence. J'entends la voix des lumières. Les lions, ça va, ça rien à déconstruire. Ils font que mourir, ces cons. Nos guerriers s'attaquent à l'ennemi. Par qui sommes-nous envahis? J'écoute. Ashtoramai. Quel appel oh pour la scénarius. Nature. Quel appel pour la nature. J'entends oui la voix des lions. Je suis prête. Par qui sommes-nous envahis? Qui menace la nature? Un problème? Que la chasse commence! Ashtoramai. Ah, quelle est la nature attaque à l'ennemi? Un problème? Une mine d'or pour la nature court de ressources. Je suis prête. Par qui sommes-nous la envahis? La déesse appelle. À vos ordres. J'entends la voix des lunes. Oui? Tout de suite. Avec plaisir. Oh god. J'y pouille plus. J'en pouille plus. Ah, que la nature est belle. Oui ? Eh, au pire, il est. Quel appel pour la nature ? Par qui sommes-nous envahis ? Ashtoramai. Oui ? Qui menace la nature ? Qui menace la nature ? Ah, c'est gagné. Je me fais chier pour rien, je crois. Il y a plus rien. Je ne fais qu'un avec la terre. Les druides, réveillez vos putains de gueules. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens voulaient jouer druide d'ailleurs, que c'est les druides un peu la solution à la guerre là. Oh god. À moi, druide. Cette de la mission terre. Quoi. Que les corbeaux de la tempête déchaînent une fois encore les vents de la guerre. Par contre, c'est des darons, hein, les druides. Ishnu Allah, mes frères. Kalimdor a une fois de plus besoin de vos pouvoirs. La malédiction est à nos portes. Nous sommes à votre service, Shando Hurlorage. Nous devons maintenant descendre sous terre, afin de tirer les druides de la griffe de leur torpeur. C'était pas eux les druides ? Une seconde là ! En tout cas, bravo à tous, hein. 1h40 de vidéo pour ça, hein. Quelle vie !